Bonjour, je suis Muriel. J'ai connu Sébastien Martinez par le journal hein, quand il est devenu champion de la mémoire. On avait vu cet article, on l'avait fait lire à nos enfants et on a suivi Sébastien après sur le net. Avec l'appel du VAR, on a trouvé que l'idée était très bonne. On a vu qu'il y avait des opportunités pour le récupérer à l'appel et le donner en formation à nos élèves de nos établissements de l'appel du VAR. Donc, ça nous a motivés quand on a vu qu'on a lancé l'invitation et qu'on a eu autant de personnes qui s'est mobilisées. Je me suis connectée en tant que maman en mobilisant mes enfants. Les trois ont eu du mal à y aller et une fois qu'ils ont commencé à découvrir Sébastien, ça a été un défi de revenir chaque semaine pour venir te voir et puis continuer à apprendre des nouveautés. Donc bravo parce que tu mobilises une énergie extraordinaire. Aujourd'hui, après 4 semaines de formation, on a des outils qui sont exceptionnels. Et c'était un travail qui a été réalisé en famille. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu les parents et les enfants, et les semaines ont été des défis qu'on a relancés. Les présidents des États-Unis, la carte d'Afrique, ce sont des choses qu'on n'apprendrait pas particulièrement, même nous parents, qu'on a mis en œuvre et on a vu que ça fonctionnait. Et ça nous a permis de voir un peu comment nos enfants se formaient un peu au niveau de l'information et de la formation. Notre volonté, c'est de continuer. On aimerait bien passer au niveau 2. Il y a des jeunes qui sont très motivés pour continuer. Donc, on projette la session 2 et on espère avec impatience que l'appel soit capable de continuer à former nos élèves de notre région, belle région du Var.